Hello tout le monde, je suis trop contente pour vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je fais des vlogs tous les jours du mois de décembre. Donc voilà, ça me fait du bien de reprendre une vidéo toute seule, comme ça, toute simple. Et en plus, un haul comme je viens de vous dire. Donc c'est un haul cider que Google m'a mis des publicités tous les jours pendant le mois d'octobre. Je me disais, c'est quoi ce site? C'est quoi cette marque? Oh, c'est beau ça! Oh, c'est beau ça! Oh, ce top est beau! Oh, cette robe est jolie! Je n'ai bouffé que des publicités cider jusqu'à temps que je clique dessus. Et là, j'ai craqué sur le site, je suis allée sur le site et à vrai dire, c'est tout le style que j'aime. Et surtout, il y a des magnifiques robes de soirée. J'avoue que je porte pas souvent de robes. Les robes de soirée, j'ai pas trop l'occasion d'en porter à part Noël, Nouvel An, anniversaire, mariage. Et bon, c'est vrai que j'en porte pas souvent. En plus, moi, je suis quelqu'un de très frileux. Donc, j'ai souvent froid. Donc, c'est bien beau des belles robes de soirée, bustier ou à fines bretelles. Mais il me faut toujours un gilet au-dessus, quoi. Donc, mais bon, là, j'avoue qu'il y en avait des canons. Et surtout, le velours revient à la mode pour mon plus grand plaisir. J'adore cette matière. Matière un peu style voilà, fin années 90, début 2000. Et donc là, il y avait des tops en velours, des belles robes en velours. Donc, j'ai craqué pour un top et une robe. Mamia, elles sont magnifiques sur le site. Donc j'ai reçu mon colis, j'ai hâte de l'essayer parce que j'ai pris des tailles XS parce qu'il était marqué que les vêtements étaient très extensibles. Est-ce que je vais réussir à parler? Le colis a mis à peu près 2 semaines pour m'arriver. Donc Cider, ça vient de Chine comme Shein, mais j'avais jamais essayé. Donc voilà, c'est une première pour moi, je vais essayer et vous donner mon avis peut-être par rapport à Shein, même si je n'ai jamais acheté de robe de soirée sur Shein. Mais... Eh bien non, je n'ai pas la facture dans mon sachet. Très bizarre ça quand même. Par contre, donc j'ai la petite carte, merci d'avoir acheté, prête pour le round 2. Non, pas tout de suite, je ne suis pas encore prête à racheter. Là, j'économise un petit peu, c'est les fêtes. Dans le sachet, j'ai eu 3 cadeaux. Alors... J'ai une planche de stickers de la marque Cider. Bon, ça fait très enfantin. Je ne sais pas si je m'en servirai. Une petite pomme comme ça, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est pas un magnète? Ah non, c'est génial! Et c'est une trop bonne idée ça. C'est un mètre. C'est génial. C'est un mètre pour prendre ses... ces mesures, voilà, la tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche. Et alors avec ma commande, j'en ai eu pour, voilà, je vais vous marquer ici, j'ai eu des chaussettes. Je comprends pas l'intérêt de ces chaussettes. Alors c'est très gentil, mais j'ai plein de chaussettes déjà. Faut que je fasse un tri. Et là, je me retrouve avec 2 autres paires de chaussettes que je pense que je ne me servirai jamais parce qu'elles sont trop bizarres. Alors oui, elles sont marrantes. Voilà, regardez. Une petite tête, là il y a des yeux, là il y a les bras. Et en fait c'est aimanté. Hop, voilà. À quoi ça sert? Tac. Hop. De porter une paire de chaussettes aimantées. Et c'est en vente sur le site ça. Donc je ne sais pas trop avec quoi je peux les porter. Mais bon, merci Cider. Allez, on va commencer avec un haut, comme ça je peux garder mon petit legging. Donc ça c'était voilà, un fin pull col V parce que je n'avais plus de pull col V et je n'avais pas non plus de pull de cette couleur là. Donc c'est un bordeaux. Alors oui, il correspond au site. Il est très 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 doux. Maintenant j'ai plus qu'à l'essayer. Celui-là je l'ai pris en taille S. Voilà ce que ça donne. Je sais pas, là, avec la lumière j'ai l'impression qu'il est transparent, non? J'ai un t-shirt blanc en dessous. Si je l'abaisse, ah oui, c'est transparent. Bah vous voyez, heureusement que je le porte devant ma fenêtre, au moins je vois bien. Ouais, parce qu'on voit la petite étiquette. Bon, sinon, donc ça c'est un taille S. Et alors par contre, ça me fait très peur parce que je ne renverrai pas les colis. Ça c'est sûr, parce que ça a l'air d'être une galère pour les renvois. Il me va, mais... Il me semble légèrement, vraiment très légèrement serré ici. Je sais pas trop. Il est beau. J'adore. Le col V, je trouve que c'est ce qui me va le mieux. C'est les cols qui me vont le mieux parce que j'ai pas une forte poitrine.
Mais ça me fait très peur pour les robes en taille XS parce que je serais vraiment déçue parce qu'elles sont magnifiques. Et si c'est plus petit que là, la taille S, ça me fait peur. Ça, je valide. Bon, bah, c'est un peu transparent quoi, donc je verrai comment je peux le porter. La qualité, c'est un petit peu comme sur Shein. Très bien pour moi. Mamma mia, voilà le top en velours qui n'est pas transparent du tout. J'adore cette matière. Voilà, c'est un col bateau. Voilà. Regardez-moi ces petits motifs. Super pour les fêtes, des petites étoiles brodées dedans. Il est magnifique, j'adore. Et le dos, trop beau. Le dos est croisé comme ça. Donc là, pareil, je mets 10 sur 10. J'adore ce top. Bien sûr, à porter avec un gros gilet. Et quand on danse toute la soirée, qu'on commence à avoir chaud, on enlève le gilet et là, paf, on dévoile ce magnifique Ah, mamie, ce top-là aussi, j'avais craqué dessus. Il fait un peu vibes années 2000. Je ne sais pas si vous vous souvenez et si vous êtes déjà de cette époque-là. Mon Dieu, cette époque. Il y a 20 ans déjà. Où il y avait beaucoup de petits tops à franges. Et je trouve aussi que pour les fêtes, il serait parfait. Je m'approche un petit peu pour que vous voyez la matière avec les petits fils. Hyper doudou. J'adore le col. Je trouve que ça fait super chic. J'aime beaucoup. Je mets 10 sur 10. Je le trouve trop beau aussi. Et il peut faire aussi tout son effet pour les fêtes. Alors là, c'est deux choses. J'ai acheté ce short-là pour l'automne-hiver. Mais bon, on m'avait prévenu sur le site dans les commentaires. Il est très fin. Bon, c'est pas du tout un short polaire ou qui va vous tenir chaud. C'est parce que moi, le seul short noir que j'avais, c'était celui-là, en simili-cuir, mais qui est très vieux. Et j'avais envie d'en avoir un mat, quoi, pas un qui brille. Et j'ai acheté ces fameuses chaussettes hautes. Là, on les voit mieux, ici. Ces petites chaussettes style écolière Britney Spears. J'en voulais depuis extrêmement longtemps et j'avais jamais sauté le pas parce que je savais pas si ça allait m'aller, si c'était mon style, avec quoi les porter. Alors, au final, quand je porte un short avec des collants comme ça, qui ne sont pas opaques et qui ne sont pas très chauds, je me suis toujours dit j'aimerais bien avoir une deuxième couche au-dessus avec des chaussettes hautes. Donc là, j'ai fait deux looks avec une botte en daim qui monte jusqu'ici. Les chaussettes dépassent de ça. Mais bon, c'est joli, mais c'est pas mon style préféré. Moi, je voulais surtout les acheter parce que des fois, je veux porter un short avec mes petites bottines à talons. Et dans ces cas-là, ben, toute ma jambe était à nu avec le collant fin et ça faisait pas joli. Donc, là, je trouve que ça fait trop joli avec ma petite bottine à talons. Ma petite botte, quoi, c'est quand même une botte avec un gros talon. Et la chaussette qui monte jusque-là, je trouve le style trop joli. Je sais pas, là je peux pas m'éloigner plus ou alors je m'enfonce dans mon dressing. J'espère que vous m'entendez bien et j'espère que vous voyez bien. Donc les deux looks avec la botte plus haute ou avec la petite bottine plus courte. Donc dites-moi en commentaire lequel vous préférez, si c'est avec la grande botte ou la petite botte. Voilà ma robe polaire extrêmement douce. Bon, je m'approche pour que vous voyez le col. Donc, gros col roulé, tout doux. Voilà. Vous voyez un petit peu la matière. Elle est lourde. Ouh, quand je l'ai sortie du sachet, elle était lourde. Bon, moi, je la porte avec une petite ceinture. Voilà. Je trouve que de dos, elle est trop magnifique. Donc moi je la porte avec mes petites bottes. Bon, je les ai pas serrées là pour la vidéo. Mes petites bottes marron. En fait, c'est une robe archi basique, mais il y a le petit truc en plus qui fait qu'elle est spéciale, c'est cette belle fente. Et je la trouve super jolie. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien aussi celle-ci. Vous lui mettriez quoi comme note? Regardez-moi cette pépite. Quand je l'ai vue, j'ai craqué. Je me suis dit, ça, c'est ma robe pour Noël. Je m'approche pour que vous voyez la matière. Elle ressemble à la matière de mon top à franges. Sauf que là, les petits fils, c'est pas argenté, c'est doré.
il y a le petit col qui se rabat comme ça. Elle est toute douce, elle tient chaud. C'est pas une robe pour danser parce que dès qu'on lève les bras, imaginons si je suis en soirée. Voilà. Non, c'est pas beau. Ça, c'est une robe de cocktail, de soirée où on ne danse pas pour aller au restaurant. Alors, pourquoi je dis nouvel an cette année? Parce que cette année, ça va être un nouvel an un petit peu spécial. Ça va pas être un nouvel an où je vais forcément danser, enfin, je pense. Parce que je fête nouvel an à Vienne, en Autriche, cette année. Donc ça va plutôt être musique classique, Johann Strauss, Beethoven, Mozart. Donc je pense pas que je vais danser Pompelope. Je pense plus que ça va être chic et classe. Donc je vais la prendre dans ma valise au cas où, mais je pense mettre celle-là. Il y avait bleu, noir ou violet. Comme j'ai pris le top noir en velours, j'avais hésité entre bleu et violet. Et je l'ai pris en violette parce que j'ai jamais rien acheté de violet, ni en pull, ni en robe. Et regardez-moi comment elle est magnifique. Toujours avec les motifs étoiles. Toujours col bateau. Elle est... Bon, elle moule. Et finalement, je l'ai prise en XS et regardez, elle est vraiment extensible. Je peux manger une bonne raclette, ça va aller. Robe longue qui m'arrive ici, à la mi-mollet. Elle marque bien la taille. Oh là là, j'adore. Je crois que les deux robes de soirée, c'est mes deux coups de cœur de la commande. Qualité, bon bah elle a l'air très bien. Écoutez, bon, j'ai pas encore passé les habits au lavage, donc je ne peux pas vous dire. Je vais conclure cette vidéo avec cette belle tenue. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce haul vous a plu. Et surtout, dites-moi en commentaire quelle tenue avez-vous préférée. Allez, sur ce, je vous fais à tous d'énormes gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao! Et surtout, abonnez-vous, likez, partagez. Ciao mes bébés!